Salut à tous, c'est Nero, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est sur Evil Inside. Vous entendez cette musique qui fait peur ou pas? Je sais pas si vous l'entendez, en tout cas moi je l'entends. Et je vous dis que ça commence déjà à faire flipper, voilà, je viens de lancer le jeu, je viens de l'installer. Et donc, pour ceux qui savent pas, Evil Inside, et comme vous entendez la musique, je pense que tout le monde sait que c'est un jeu d'horreur tout simplement. Donc voilà, je vais découvrir comme vous, on va découvrir le jeu directement, on va jouer et on va s'amuser tout simplement. Enfin, on va s'amuser, je pense, puisqu'on va se pisser dessus, mais bref, directement, c'est parti, let's go. Pour une meilleure expérience, jouer avec un casque qui a éteigné les lumières. Ah ouais, non, mais on va pas faire ça, frère, la webcam, c'est important tout ça. Arrives from the north of the state of Oregon. Here we have Mary Jane Anderson, our reporter at the crime scene. Thanks, Joe. They found the body of Rose, the woman who went missing last Monday. Forensics located her camera near a well, in which her lifeless body was also found. Ok, donc là on est dans une maison, je crois bien. Le petit iPhone au calme. Putain, j'ai déjà des frissons, sa mère. Hello. Oh la voix. Listen, are you in contact with the afterlife? Yes. Tell me what you need. I need you to make contact with my mom. Attends, attends, il est arrivé quelque chose à sa mère, il veut être en contact avec sa mère. C'est pas un truc bizarre là. Genre contact avec un esprit, je crois, qui se passe. Oh putain, oh non, je m'attendais pas à ça moi par contre. Je vais flipper. Oh non, non. Oh la putain. Ah, c'est le Ouija ou je sais plus quoi ça là. Le Ouija, je crois. Oh. Il se passe quoi? Oh non, pas ça, ah oh, pas ça. Bon, ok, du coup c'est à nous de jouer. Là on peut pas ouvrir les portes. My mom is dead. My father in prison. Il a un petit frère, ça va être galère parce que là du coup on sait pas où il est et à tous les coups il va avoir son petit frère, il va faire des trucs bizarres. Genre il va être possédé, des trucs comme ça. Non, je déteste ça. Oh là là, je vais flipper. Donc là c'est fermé, on a une musique bien bien qui fait bien bader. Franchement, on est pas dans la merde. Mom? Oh le Toki Walki. Oh je le sens venir. Y'a quoi dans ce Toki Walki? Oh putain, ça sent mauvais, ça sent le roussi, putain, c'est ouvert là, c'est un peu ouvert ici. Wow. What the hell? Ça bouge tout seul ça, je sens le truc bizarre arriver, je le sens. Là je pense qu'il faut qu'on trouve une clé, mais la clé où est-elle? C'est quoi ça là-bas? Bah c'est parti, go descendre. Ouh. Putain, vous allez me voir flipper, je vous le dis. Vous allez me voir flipper ma race. C'est quoi ça? La liche, c'est pas trop intéressant. Ça, on peut utiliser ça. Non. Oh sa mère, il manque vraiment plus que ça. Hein? Mais. Oh putain. Oh, il est mimi. On peut pas monter en haut par hasard. What? Ok, ça vient de sonner. Ok, du coup, en fait, à chaque fois on passe l'appart, ça change. Ok, ça sonne. C'est où que ça sonne? Oh putain. Oh putain. Ça fait flipper. What? Ah c'est flippant, la porte est désormais ouverte là-bas. Parce qu'en fait faut savoir, il y a un moment où elle va s'ouvrir. À chaque fois en fait on va passer, on va refaire le tour. Et après il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Je sais pas si vous comprenez, enfin je crois que c'est... Est-ce qu'il y a une clé, tiens? Il y a peut-être une clé par ici. Bingo, il y a un truc. Ok, on a je sais pas à quoi ça sert. C'est parti pour la prochaine porte, let's go. Et là ça va se fermer derrière, yes. C'est pas cool ça. Qu'est-ce que ça fait là ça? Non s'il te plaît. Ça avait flippé par contre. Je suis en train de flipper ma race. Ce jeu il va me rendre parano à famille, hein, je vous le dis. Est-ce qu'il y a des trucs à trouver par ici maintenant? Il a pris une autre voix, une autre tonation là. Oh bébé, il a une autre voix. Hein. Wa 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 wa. Ah, F. Ok. Bon, du coup, là faut que la porte elle s'ouvre. Hein. Y'a pas un truc là-dedans, non? Y'a rien à trouver, je pense. Putain, je sais pas quoi faire. L'escalier, par où on pourrait passer déjà? Par où on pourrait monter? Parce que j'ai cru voir quelque chose là-bas, mais je croyais rien. Ah, y'a pas un code quelque part? Du coup, là, ça, on a l'utilité. Et du coup, en fait, c'est un code de cadenas. Faut trouver le code de cadenas, les potes. Hein. Donc, on va essayer de le trouver. Mais je sais pas comment on va le trouver. Y avait pas un truc là, un numéro marqué quelque part là? Regardez cette maison. Je crois que c'est ma maison, Mathieu. C'est la maison du mec. C'est quand ça va s'ouvrir là-bas, par contre? Peut-être là, y'a un code, non? Dans la petite chouchou là. Il a pas de code dans le petit chouchou. Lui, il a pas un code sur lui.
je vais vérifier. Bon, je sais pas du tout, hein. Puis je crois qu'il faut trouver ça pour sortir, je pense. Je sais pas. Bref les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Evelyn's Side. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, même si on n'a pas été super loin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner, activer la cloche. A très bientôt, c'était Neuron, ciao.